Sans surprise, la Roche s'est inclinée dimanche face à Anglet, une équipe de haut de tableau. Une victoire assez logique, mais une déception tout de même. L'équipe ne s'est pas donnée à 100%, loin de là. Au final donc, 3-7 à 0, un score sans appel. Trop de fautes individuelles, ça a gâché les points positifs. Chaque fois qu'on faisait des points, après il y avait une faute, il fallait repartir de zéro et voilà. Anglet a très vite pris le dessus en imposant son rythme et son style et en profitant des erreurs de la Roche. Je pense qu'elles n'ont pas montré le meilleur. Je pense qu'elles ont, enfin voilà, nous on les a senti fragiles, elles nous ont pas beaucoup tenu tête donc. Donc je pense qu'elles ont, je sais pas, elles n'ont pas montré un bon jeu en tout cas, ça c'est sûr. Des fautes en réception, un esprit offensif pas au niveau, l'encadrement pointe du doigt l'état d'esprit de l'équipe. Techniquement, la Roche montée en National 3 cette année doit encore beaucoup apprendre. Mais tout se jouera sur le mental, un mental dimanche aux abonnés absents. Ça manquait d'envie au filet, à l'attaque. Au lieu de taper à très très fort, on essaie de taper fort pour voir, ça suffit. Parce que si on tape pas trop fort, normalement on doit au moins faire de fautes directes. Donc tout était moyen, et même derrière, habituellement c'est notre point fort, et aujourd'hui ça a été aussi très moyen. Il faut prendre ses responsabilités. Et ce soir, ce que je vois aujourd'hui, j'ai un groupe de filles qui prend pas ses responsabilités. Donc là, il y a du travail à faire par rapport à cet état d'esprit. Côté supporter, le réalisme prédominait nettement. La montée en National 3 est un beau challenge, mais il reste encore beaucoup de travail. Les autres, elles attaquent en permanence. Chez nous, on dirait que elles ont peur d'attaquer, de perdre des points surtout. Les filles de la Roche sont encore pas au rythme de National 3. Il faut se rappeler qu'on est monté l'année dernière de Régional 2 en Régional 1, que l'objectif n'était pas forcément la montée en National 3, et on a beaucoup de choses à apprendre. Les filles ne sont pas complètement dans le match là. C'est une bonne équipe en face, mais il y aurait moyen de les accrocher un peu plus. Et là, on est un peu en dessous du niveau dans le secteur service récep. Un match à oublier, mais aussi ça nous fait progresser, des matchs comme ça. Jouer contre des grosses équipes, c'est bien. Cette année, la Roche n'a qu'un objectif, se maintenir en National 3. Avec 2 victoires sur 6 rencontres, la marge de manœuvre se réduit. Elle sait qu'elle doit désormais, coûte que coûte, gagner des points.